Donc à la base, c'était un petit local à reprendre et je me suis dit, je vais en faire quelque chose, ce genre un petit project store. Et puis j'avais envie aussi de donner cet espace aux jeunes éventuellement qui ont besoin d'un espace. Bonjour Charles Leib-Bitton, vous êtes artiste, c'est la première fois que vous exposez en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord quel est votre parcours? J'ai étudié design d'espace. J'ai commencé à travailler à New York. Mon premier job c'était en design chez DVF, Diane von Furstenberg. Bon, j'ai dessiné des meubles, des intérieurs, du résidentiel. Et puis en même temps, je faisais beaucoup de musique, d'abord beaucoup plus de musique et un peu d'art. Et puis graduellement, j'ai fait de plus en plus d'art et j'ai changé à mi-temps mon travail d'architecture pour me concentrer sur l'art. Et puis maintenant, je fais que ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le travail que vous présentez aujourd'hui? Toutes ces pièces sont de 2013. C'est un format que j'ai créé, que je découpe mes feuilles. C'est comme une carte postale, mais c'est un peu plus large. J'ai commencé beaucoup à travailler avec le Big Bleu. Donc au début, c'était vraiment que du travail linéaire, tout au Big, même outil. Et puis graduellement, j'ai commencé à utiliser aussi des pinceaux, des angles de couleur, et j'ai mélangé. Oui, cette année, c'est une grande année pour DVF. Nous fêtons les 40 ans de la Warp Dress, 40 ans déjà. Et nous avons fait, comme l'exposition de la LACMA, en tout petit mini, une petite reproduction de cette expo à Los Angeles. Et nous avons exposé des robes que Diane nous a prêtées, qui sont des années 70. L'esprit, c'est de créer une dynamique dans cette petite rue du Grand Serre, qui est quand même assez, pas une rue de passage, et qui a besoin d'être un peu, comme tout Bruxelles d'ailleurs, redynamisée.